allons dire abolition de la monnaie. Donc c'est ni monnaie, ni troc, ni échange. Un truc qui paraît complètement débile, forcément, hein, l'évolution de la société, bible fric. Mais pour nous, c'est essentiel de réfléchir à cette question, parce que tant qu'on utilisera de la monnaie, on se tapera dessus. Et vous allez le voir dans ce débat, logiquement, tout le monde aura la meilleure solution, mais au final, ce sera à qui prendra le fric, à l'autre. Et donc, on tourne en rond et c'est reparti pour des années et des années. Donc, notre but, c'est de faire réfléchir au problème de l'outil monnaie. Qu'est-ce que c'est ? Comment c'est créé, etc. Et surtout, ce qu'il implique. Parce qu'on est en guerre commerciale en permanence, que ce soit au niveau local, quand on veut faire mieux avec des circuits courts et tout ça, eh ben, on reste quand même en guerre avec le voisin commerçant ou autre. Que ce soit au niveau national, c'est pareil, ou transnational, ça ne change absolument rien, c'est toujours la guerre. Et nous, on pense que ce n'est pas du tout l'avenir. Surtout qu'il risque forcément de nous créer une guerre avec les nationalismes et tout ça, pour relancer la croissance. Donc, comment on arrive à un truc totalement impossible, qui est une civilisation de l'accès ? Ben, en fait, ça existe déjà avec les logiciels libres. C'est le même principe. Sauf qu'évidemment, c'est un peu plus compliqué avec la production de nourriture et de choses plus concrètes. Mais compliqué ne veut pas dire impossible. Voilà, donc, ma foi, je vous remercie quand même de ces 2 minutes du peuple, comme certains disent. Et puis, bon courage à tous. Mais souvenez-vous que tant qu'on utilisera de la monnaie, ce sera juste un choix de qui on va écraser. Et ça n'est pas possible pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci.